Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une application en ligne gratuite qui permet de fabriquer des nuages de mots. Cette application s'appelle nuagesdemots.fr. Vous avez son adresse ici dans la barre d'adresse. Pour cela, nous allons prendre un article d'une encyclopédie en ligne qui s'appelle Wikidia. Et nous allons copier-coller du texte issu d'un article. Donc par exemple, Lyon. Nous allons trouver ici, voilà, l'article qui concerne le Lyon. Nous allons prendre par exemple, ici, un extrait du paragraphe qui concerne la nourriture. Je vais faire un copier en faisant CTRL-C. Et je vais... ici dans fichier, copier-coller le texte. Alors pensez à cocher ici ignorer les mots favoris pour éliminer tous les petits mots qui reviennent trop souvent, comme par exemple le, etc. Je fais CTRL V pour coller, j'applique et vous voyez que mon nuage de mots se dessine. Au niveau de la taille de l'image, j'ai la possibilité de choisir la taille. Au niveau de la distance, je peux augmenter la distance entre les mots. Voilà, comme ceci. J'ai également la possibilité de modifier la direction des mots. Au niveau de la forme, vous voyez, je peux mettre par exemple sous forme de chat. Ça peut être intéressant, je vais reprendre ici la forme du continent africain. Voilà, qui est un peu plus parlante. Au niveau des thèmes de couleurs, eh bien, vous voyez, je peux par exemple prendre ce thème qui correspondra peut-être plus à un thème de couleur de savane. Vous avez la possibilité d'éditer les différentes couleurs. Au niveau des caractères, vous voyez, je peux prendre... une police, comme par exemple Open Sans, voilà, qui va me permettre de rendre la lecture un petit peu plus facile. Si je reviens ici au niveau du glossaire, eh bien, j'ai la possibilité, voyez, d'enlever certains mots. Voyez, des mots qui reviennent un petit peu trop souvent. Voyez, ou dont je n'aurais pas besoin, par exemple, pour une production écrite. Voyez, je vais enlever certains mots. Ceci. Voilà, j'applique, je peux refermer, je veux augmenter la distance entre les mots, voilà, comme ceci. Et une fois que mon travail est fini, je n'ai plus qu'à télécharger au format PNG, donc ce sera le format image, ou le format JPEG, peu importe. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas modifier les mots. Donc pour cela, je vais privilégier le format SVG qui va me permettre de déplacer et de réarranger ce nuage comme je veux. Donc je lui donne un nom, je vais prendre le mot Lyon par exemple. Et vous voyez que le format SVG va s'ouvrir avec Inkscape, un logiciel qui permet de retravailler le format SVG. Donc je zoome, et vous voyez, en prenant cet outil de sélection, je vais pouvoir transformer certains objets. Donc je prends par exemple le terme Lyon, vous voyez. Avec les flèches, vous voyez, je peux l'agrandir. Si je reclique au centre, je peux retravailler son orientation. Comme ceci. Alors, il vaut peut-être mieux que, hop,
je retravaille l'orientation avant. Pardon. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je le remets droit. Donc, vous voyez, j'ai la possibilité d'agrandir certains bouts. Ça peut être intéressant aussi de les rassembler ou de faire une activité de tri juste avant de démarrer, par exemple, la production écrite. Vous voyez, le lion, on le met en grand, c'est le plus fort. Ensuite vient la lionne. Et puis le lionceau, le tout petit, on peut s'apercevoir que ce sont des mots de la même famille. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir proposer une activité de tri en fonction eh bien, d'une thématique, par exemple pour la chasse, on va utiliser ce verbe-ci, et on va mettre des proies telles que le gnou. On va mettre une deuxième proie, les zèbres. Et comme ceci, on va pouvoir organiser la collection de mots qui vont servir justement à créer cette... alors, cette production écrite. On va mettre tous les mots ensemble. Donc on va pouvoir... étudier un petit peu la langue avant de se servir des mots pour écrire un petit article sur le lion et sa nourriture préférée. À bientôt pour un autre tuto.